Hello tout le monde et bienvenue dans ce premier daily vlog. Je suis trop contente de démarrer toute cette série de vlogs. Vous avez été hyper nombreux à dire oui, on veut un vlog et tout par jour, etc. Fais-le pendant un mois. Donc bah écoutez, on va commencer les daily vlogs, je sais pas dans combien de temps ça va durer, mais en tout cas on les commence et on verra ce que ça donne. Donc là on dirait qu'il est 18h30 de la journée, pas du tout, il est 10h et quelques, 10h58. Et il fait noir, il fait vraiment un temps de merde, c'est nuageux, c'est pas ouf. Du coup aujourd'hui ce que je vais faire c'est mes ongles. Donc j'ai commencé un peu hier à poser mon gel et tout sur mes ongles, donc je l'ai fait hier vers... minuit et j'ai regardé une série en même temps pendant que je le faisais pour m'avancer pour aujourd'hui parce que je mets beaucoup de temps à faire mes ongles, donc j'ai pas envie de passer toute la journée non plus à les faire. Je vais essayer de vous montrer un peu comment je fais si ça vous intéresse. Alors je suis pas du tout prothésiste ongulaire, mais par contre j'aimerais bien avoir des formations là-dedans parce que j'aime beaucoup faire les ongles, je trouve ça assez apaisant. Enfin, je vois tous les défauts que j'ai dans mes ongles, sauf que je sais pas comment les solutionner, donc j'aime regarder des tutos etc. Ça ressemble jamais à ce que je vois dans les tutos, c'est... Il y a toujours un truc qui va pas ou... Enfin je sais pas, après mes ongles ils sont super courts, donc j'ai fait au charbon, je sais pas si c'était la bonne solution de faire sur des ongles vraiment très très courts. Je pense que les capsules auraient été mieux, mais bon j'ai réussi. Voilà, donc ça fait un petit nude et en fait je vais faire des petites lignes etc. comme j'avais fait un peu la dernière fois. Si vous avez pas vu ma manucure, je la mettrai ici. À chaque fois je vous montre sur Instagram ma manucure, comment elle est etc. Et j'aimais beaucoup en fait le style des lignes, je trouve ça trop trop beau. Alors les lignes n'étaient pas incroyablement précises, mais je trouvais ça très joli. Du coup je vais faire un peu la même chose, un peu style à esthétique. Et j'ai pris plein d'inspi sur Pinterest et sur des comptes Instagram, donc je vais regarder un peu ce que je vais faire. Sinon je viens de finir cette bougie que j'ai achetée à Primark à 4€ je crois. Je vais pas la faire fondre plus parce que j'ai peur que ça crame en dessous. Ça m'a déjà fait ça la dernière fois pour ma jolie candle, du coup je fais un petit peu plus attention. Et vraiment trop trop belle la bougie, mais je sais pas encore quoi faire avec cette bougie là. Si vous avez des idées n'hésitez pas à me les dire. Peut-être un pot pour les plantes, je sais pas. Ou un petit vide-poche ou range quelque chose, je sais pas. Et aussi, je suis tellement, tellement, tellement contente. Hier, j'ai regardé enfin la série Drop Dead Diva. Cette série, je voulais la voir depuis tellement longtemps. C'est vraiment une série que je kiffe. Et à chaque fois, je la regardais sur des sites de streaming. Je regardais les 6 premiers épisodes et après, bah, ça me disait de payer ou je sais pas trop quoi. Et je n'arrivais pas à trouver une plateforme où je pouvais voir Drop Dead Diva. J'ai regardé Netflix, j'ai regardé Disney+, j'ai regardé OCS, j'ai regardé tellement de choses comme ça. Même Apple TV. Il y a sur Apple TV, mais il faut payer. Du coup, ça m'a saoulé. Je crois que c'était genre 4€ la saison. Donc il y en a 6 de saison. Ça fait un peu cher. Voilà, j'étais un peu dégoûtée. Et hier, on regardait les Marseillais avec mon copain. On a vu juste après l'épisode des Marseillais. Ouais, regardez en avant-première sur Salto le prochain épisode. Et donc, on a voulu voir le prochain épisode. Donc, mon copain, il s'abonne. Enfin, il s'abonne et il se désabonne pour avoir le mois gratuit. Et là, je vois quoi? Je vois Drop Dead Diva, les 6 saisons. J'étais trop, trop refaite. J'ai un mois pour regarder Drop Dead Diva. Je suis trop contente. En plus, il y a Undo Stress dessus. Après, c'est pas ouf. Je trouve Salto, c'est pas un truc incroyable. Voilà, je garde juste ça pour Drop Dead Diva et peut-être Undo Stress. J'espère que je vais avancer avec ces ongles, ça va être... J'espère que je vais pas m'en casser un d'ongle, on va espérer. Bon allez, c'est parti, je vais changer la batterie parce que bien évidemment je n'ai plus de batterie et je suis noire en plus là. Et je vais vous installer où? Bon, je viens de changer la batterie et j'ai aucune batterie qui est chargée à fond, donc j'espère que ça ira. Donc là c'est tous mes vernis, tous mes petits trucs, petits blenders, les cuticules, oil, etc. Là c'est les capsules, c'est les limes, ma petite lampe. Donc je vais installer tout ça. Là c'est pour le nail art. Hop. Et j'ai des petits fruits. Regardez comment c'est mignon. C'est trop trop beau. Donc je vais déjà faire mes chablons pour l'autre main parce que je ne l'ai pas fait. Donc ce que j'utilise pour les chablons, donc c'est des chablons basiques. Tout ça je l'ai acheté sur Angle 24. Donc je prends ceux-là de chablon. Je crois que je prends celui-là pour le gel. C'est Professional Constructor Gel Pink. J'ai fait un nude vraiment pour avoir les petits traits blancs. Là, je trouve ça trop trop beau la dernière fois. Donc c'est parti. Donc
là en fait j'ai matifié mon ongle, j'ai rayé en fait mon ongle pour que le collagène puisse mieux adhérer. J'ai mis aussi du petit blender pour que ça soit vraiment mat. J'ai plein de peau au-dessus de mes ongles, genre c'est n'importe quoi parce que je me les ronge de base et j'en prends vraiment pas soin. Sauf quand j'ai des ongles, je me ronge pas les peaux, je me ronge pas les ongles, donc j'espère que comme ça avec les ongles en plus ça me permettra de ne plus me ronger les ongles parce que j'en ai partout. Genre c'est vraiment une catastrophe mes ongles, enfin mes peaux au niveau de mes ongles, c'est une catastrophe. Il faut voir que c'est super court, c'est vraiment moche hein. C'est très très court pour faire du chavon je trouve, je galère un peu. J'ai vraiment hésité à faire des capsules, donc mettre une capsule, la coller sur l'ongle, ensuite mettre le gel. Je préfère le rendu au chavon que le rendu en capsule. Du coup je vais faire le chavon, et moi ce que je fais pour le chavon, il y a des gens qui le font pas, je sais pas pourquoi, je retire ça et je le mets en dessous. Il y a certains chavons où tu le fais et d'autres tu le fais pas, et je le mets en dessous et comme ça c'est un peu plus rigide en fait. Et on va mettre sur le pouce, et en fait ce qui est bien avec le chavon, tu peux faire du sur-mesure sur chaque ongle, donc ça c'est vraiment bien. Mais j'aimerais trop avoir une vraie formation professionnelle d'ongles, parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc je regarderai pour me former, mais pas pour être prothésiste ongulaire, juste pour le perso. Et en même temps je regarde Drop Dead Diva, comme ça me fait ma petite série à suivre en même temps et je me fais pas trop chier. Et des fois il y a le chablon qui part un peu en couille. Quand je le regarde comme ça, le chablon il semble droit, mais en fait quand je le regarde comme ça, genre il est pas droit, il part un peu en biais. Du coup faut à chaque fois que je le repositionne. Donc là j'ai fait mon pouce, c'est le plus dur le pouce parce que vraiment c'est une catastrophe au niveau de mon ongle, c'est vraiment galère. Donc j'ai fait un ongle un peu court parce que mon ongle naturel tellement qu'il est court, j'ai peur que si je fais trop long, bah ça l'abîme un peu plus avec les chocs. Donc voilà, j'ai fait mon petit ongle et je vais faire le restant des ongles. Je pense que ça va me prendre au moins 2 bonnes heures parce que j'ai vraiment du mal à faire vite et à faire bien. Donc c'est parti. Et bien voilà le résultat de mes ongles. Je suis assez contente. J'essaie de m'améliorer un petit peu, mais je suis contente au moins. Déjà, ça a la même longueur quasiment tous. Donc ça, c'est cool. Donc ce que je vais faire, c'est du nail art. Je vais regarder un petit peu ce que je peux faire comme nail art. J'ai pris pas mal d'inspi sur mon téléphone et sur mon iPad. Donc je vais regarder ça. Mais avant ça, on va ranger un peu tout ce bordel parce que c'est... Bah, c'est le bordel. Celui-là, je trouvais ça assez joli, ça me rappelait en fait les couleurs que j'avais sur mes ongles, mais le truc qui va être dur, c'est au niveau des traits fins comme ça. Je sais pas trop comment on peut faire. Est-ce qu'on applique d'abord la couleur, puis ensuite les traits? Je sais pas trop. Ensuite, il y avait celle-là avec une, je sais pas si vous voyez bien, avec un peu de nude en fait en dessous. Je trouve ça assez joli. Après, il y avait ce genre de motif. Je les trouve trop mignons. Mais je suis pas assez expérimentée encore pour faire ça. Et ensuite, il y avait ces motifs-là. Je trouvais ça assez simple, entre guillemets. Ça pourrait aller. Ça, c'est avec plein d'arc-en-ciel et tout. J'aimais trop les couleurs. Ça aussi, c'était trop trop beau. Mais je vais pas y arriver à faire ça, moi. Il y avait ça. Il y avait aussi plein de motifs sur chaque ongle que j'aimais bien. Je trouvais ça assez joli. Et... avec des petites fleurs et tout, je trouvais ça beau. Avec des fleurs et un arc-en-ciel. Enfin voilà, j'aimais bien ce genre de petits motifs. Donc je pense que je vais partir. J'aime trop celui-là. Bon bah je vais partir sur celui-là, le modèle rempli, où on voit pas le transparent. Parce que j'avais déjà fait un truc un peu transparent la dernière fois, du coup je vais prendre ce modèle-là. On va essayer de le reproduire, j'espère que ça va le faire. Au niveau des couleurs, qu'est-ce qui se rapproche le plus? Je vais faire ma petite mixture et c'est parti. Bon,
Bon, j'ai fait plein de nuances et pour arriver au résultat comme ça là, déjà mon pouce, une catastrophe, donc je vais l'enlever ça. Et j'ai fait ce doigt là, donc j'ai mis top coat et tout. Est-ce que ça ressemble à celui-là? Le violet n'est pas le même, ça qui est dérangeant. Pourtant j'ai essayé de le faire au max le plus clair. Mais je sais pas. Je sais pas si je fais sur tous les ongles ou est-ce que je fais un motif par angle. J'ai envie de faire un motif par ongle. Mais vas-y, je vais prendre 3 jours à faire ça, moi. Bon, du coup, celui-là, je le garde. Celui-là, je vais l'enlever après. Mais je sais pas quoi faire pour celui-là. Bonjour. C'est le livret en arrière du coup. D'accord, vous êtes en bas? Oui, devant la porte là. D'accord, je vous attends en bas de mon immeuble. Devant la porte de la rue là. Bon, bah il y a un livreur qui arrive, donc j'espère ne rien toucher. Hop. Et je reviens. Et ben, je suis plutôt contente de mon travail. Ça rend mieux que ce que je pensais. Si je tremble beaucoup de la main gauche, là je vais faire avec la main droite. Faudrait que j'enlève cette atrocité là. Ça va me prendre un peu de temps. Mais je suis plutôt contente. Je trouve ça assez joli. Ça change un petit peu et bon, c'est pas très précis, mais c'est cool. J'aime bien. Donc là, je vais m'attaquer à la deuxième main. Je vais faire exactement la même chose, les mêmes motifs. Et on se retrouve juste après. Il est déjà 15h, je crois, un truc comme ça. J'ai récupéré mon colis. 15h25, donc ça fait quand même pas mal de temps que je suis sur mes ongles, mais bon, ça me détend, puis c'est joli quoi, j'aime bien. Et bien voilà, j'ai fini, je vais tout ranger parce que c'est vraiment le bordel, il y a plein de peintures un peu partout. Mais j'ai trouvé l'harmonie assez jolie. Après c'est vraiment galère à faire, hein. J'ai mis beaucoup de temps, il est actuellement 17h35. Donc je crois que j'ai mis au moins 6h, 5h pour tout faire, c'est hyper long. Je vais vous montrer les résultats après, mais je vais d'abord ranger tout ça. Et donc voilà mes petits ongles, je trouve ça trop beau, c'est coloré, c'est fun. Bon, les détails, faut pas trop regarder de près, mais je trouve que c'est plutôt joli, ça fait... Ouais, c'est joli, franchement je suis trop contente du résultat. Je trouve que je m'améliore un petit peu mieux au fur et à mesure déjà, et j'espère que ça va tenir, parce que c'est vrai que mon principal défaut c'est que quand ça repousse, bah ça casse ici en fait. Je ponce mal en fait mon ongle, genre je le raye mal, je le rends pas assez mat.
Et comme vous pouvez le voir, je suis à la saison 2, épisode 2, alors que j'étais à la saison 1, épisode 7, je crois. Sachant que ça dure 40 minutes les épisodes. Vous pouvez voir que j'ai mis beaucoup de temps à faire ces petits ongles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est à manger. Enfin, je vais faire un petit goûter, parce qu'en fait, j'ai pas mangé ce matin, et ni ce midi, visiblement. Et il est 17h45, j'ai quand même un peu faim, on va pas se mentir. Là, cette journée, elle est passée archi vite, j'ai fait que mes ongles. Donc je vais prendre une petite banane. Et ceux-là, ils sont vraiment pas terribles. Je l'avais présenté dans mon retour de course. Ils sont vraiment pas bons. Genre, c'est... Ouf. Je vais me prendre à boire. Je vais me prendre un liégeois. Voilà, ça va être mon petit goûter. Vraiment, ne prenez pas exemple sur moi au niveau de mon alimentation. C'est une catastrophe. Et maintenant, on va s'attaquer au lave-vaisselle parce qu'il n'a pas été vidé depuis hier. Du coup, c'est parti. Au moins là c'est rangé, tout est bon et on va donner de la pâtée à Prince. Donc ce que je lui donne c'est ce genre de pâtée, c'est la pâtée qui vient de chez Katz. Il l'adore, c'est au saumon et au poulet. Il y a juste des carottes, des cranberries, de la spiruline et du saumon et du poulet. Et il adore ça, il va gueuler, voilà il va gueuler. Ah oui mon chéchia, regardez avec sa queue en point d'interrogation là. Il est en mode de, je veux de la pâtée. Oui mon chat, attends. Hop. Et Birdie, quant à elle, elle n'a pas de pâté parce que sinon elle grossirait de trop. Mais je lui donne une petite friandise parce que ça se fait pas de voir Prince se régaler. Et du coup, pour Birdie, nous avons son petit sachet de friandises qui vient de chez Truffaut. Et c'est des petits trucs comme ça là, des petits os. Non mais regardez-le, regardez en dessous. Prince, regarde-moi. Regarde-moi mon chat, je t'embête hein, mais t'en as partout. Il en a partout. Et donc ce qu'on va faire à manger ce soir, je pense que ce serait judicieux de faire les courgettes de mon père. Comme ça, elles seront faites. On va toutes les faire. Et on va les faire cuire dans la poêle là-bas. Et je vais faire ça avec des lardons. J'adore ça. Et si mon copain veut de la viande en plus, bah, il sera de la viande. Donc on va faire les courgettes. Je déteste faire les courgettes. Ça me saoule. Faut les éplucher, les couper, les machins. Les... Oh, ça me gonfle. Donc on en a quand même pas mal. Regardez-moi la taille de celle-là, elle est énorme. Genre mon père, il en avait au moins 3 ou 4 par jour, c'était trop bien. Et là en fait j'ai un problème, c'est que ma planche elle bouge beaucoup, donc petite astuce. Prenez une feuille de sopalin comme celle-ci, vous la mouillez et vous la mettez en dessous. Et là ça ne bouge plus du tout, c'est trop bien, j'adore la physique. Bon, pendant que ça cuit, on va regarder s'il y a une petite bougie à mettre à la place de celle-ci. Et je sais pas si votre chat fait pareil, mais en gros, on a laissé la caisse le temps de la ranger en fait de transport. Et en fait, Prince, il kiffe se mettre dedans. Regardez tous les poils qu'il a foutu dedans. Genre, il passe sa vie dedans avec son petit doudou là. Il est trop mignon, donc on l'a mis là. Parce qu'il passe beaucoup, beaucoup de temps dedans. Et ton petit jouet, mon cœur? Tiens, c'est ton petit jouet, ça. Donc pour les bougies, j'en ai pas mal quand même. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celle que j'aimerais bien utiliser, c'est le pouvoir des pierres. Parce qu'en fait, il y a un bijou à l'intérieur qui m'intéresse vachement. Donc en plus, elle est très jolie, très très belle. Donc je vais l'allumer. Et je suis toujours en train de regarder Drop Dead Diva. J'en peux plus. Ah moi ça. Bah oui. Oh là là. Désolée pour le bruit, hein, c'est mon copain qui est en train de se laver. J'ai reçu pas mal de colis, alors je me demandais si vous voulez un unboxing demain pour tous les colis, etc. Parce que je peux vous montrer ça vraiment vite fait. Ma tuquette, qu'est-ce que t'as? Allez là, ma tuquette! Tuquette! Oh mon amour, bah oui. Donc j'ai plein de colis là-bas à vous montrer. Oui mon amour, bah oui.
Un chiquet. T'es trop beau, Mouissacha, t'es trop beau. J'ai mis un petit masque dans mes cheveux, comme ça, ça va se pénétrer pendant que je fais à manger. Mon père, il me dit, ouais, tu fais jamais à manger, Lisa. Hein, tiens, preuve, voilà. Moi, t'as vu, je fais à manger hier, aujourd'hui. T'as fait à manger hier. Avant-hier. Oui, j'ai fait à manger. Ah bon? Moi, je fais toujours les mêmes choses à manger. Ah, oui. Parce que c'est une forme quand je fais à manger. Et voilà, je fais à manger. J'ai pas mangé depuis hier, mon cœur, je vais me capter. Hein. Bon, bah, c'est en train de cuire et j'ai mis aussi de l'oignon rouge. Alors, attendez, je ferme la fenêtre parce que les gosses sont hyper mal élevés. J'ai fait des petits oignons rouges, je vais les faire cuire. Peut-être qu'en mélangeant un peu avec ça, ça peut le faire. Par contre, je suis en train de chialer. J'ai horreur de cuisiner, surtout quand je cuisine avec des oignons rouges. Je chiale comme une pâquerette. Regardez cette commère. Ouais, je parle de toi, chiquette. Je suis morte. Et regarde. Je suis morte. Et après, ce qu'il faut regarder ou... C'est un truc de ouf, Birdie. Essaye de prendre de l'assurance. Ah merde, j'en ai mis partout en plus. Je viens de me laver et je vais appliquer mes petits soins du soir. Donc il y a celui-ci, c'est ma crème du soir pour les boutons. En fait, ça cicatrise et tout, la peau, ça la santé là. Je préférais quand même celui-là qui était vachement bien. Sauf que bah, il n'y en a plus, donc j'en teste une autre. Mais celle-ci était vraiment bien. Et j'applique ça une fois tous les 2-3 jours. C'est un traitement à l'acide, en gros c'est 20% d'acide. Donc c'est du AHA et du PHA. Donc c'est vraiment pas mal pour les peaux... imperfection en haut, ça va te grignoter toutes tes peaux mortes, etc. Donc c'est vraiment très bien. Donc je l'applique une fois tous les 3 jours. Donc je vais arrêter le vlog ici, je l'ai monté et j'ai vu que ça durait un peu plus de 20 minutes, donc c'est amplement suffisant je trouve pour un daily vlog, parce que je vois qu'il faut, enfin il faut que je monte la vidéo, il faut que je passe la miniature à la bande info le jour même. Je pense que je vais arrêter de filmer autour de 20h comme là j'ai fait aujourd'hui. Comme ça me laissera temps de faire tout ce qui est un petit peu chiant, montage, etc. Donc bref, voilà pour cette vidéo, ce petit daily vlog. Enfin, c'était vraiment un truc très très chill, très posé, très relaxant, très ASMR parfois. J'espère en tout cas qu'il aura pu vous reposer, pour que vous avez passé un bon moment. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain 16h30 pour un nouveau daily vlog.